Propriétaires et locataires ont des obligations très différentes en ce qui concerne l'entretien du logement. On considère que tous les petits entretiens, les petites réparations et les petits remplacements liés à l'usage quotidien du bien sont à charge du locataire. Le locataire doit en outre utiliser le bien en personne prudente et responsable et maintenir le bien en bon état, notamment de propreté. Ainsi, l'entretien d'une chaudière, le remplacement d'une vitre cassée, le remplacement d'une ampoule ou d'une pile sont à la charge du locataire. C'est également le cas pour ce qui est de cirer le parquet, entretenir la hotte ou entretenir le jardin. Le locataire doit également prévenir rapidement le propriétaire en cas de soucis plus importants. C'est au propriétaire de se charger des grosses réparations et des gros remplacements non imputables au locataire. Le propriétaire devra par exemple rafraîchir les peintures après 15 ans d'occupation, remplacer une chaudière défectueuse, remplacer un lave-vaisselle trop vieux ou s'occuper des réparations au toit. Le propriétaire doit également intervenir en cas d'usure normale, c'est-à-dire quand quelque chose dans le bien est abîmé alors que le locataire en a pris soin. En cas de vétusté, quand quelque chose dans le bien est trop vieux et ne fonctionne plus, et en cas de force majeure. Imaginons qu'il y ait une tempête qui endommage le toit de ton habitation, et bien c'est au propriétaire d'intervenir. En somme, le propriétaire doit s'assurer que le bien peut être utilisé de façon normale. Chose importante, il existe une liste officielle de 13 pages reprenant la majorité des réparations à faire dans un bien et qui définit si c'est le propriétaire ou le locataire qui est responsable. Tu peux télécharger cette liste sur le site du Moniteur belge. Si malgré ça, tu as des questions par rapport à ton bail ou à ta relation avec ton propriétaire, n'hésite pas à contacter Bruxelles Vie. Nous sommes là pour t'aider et répondre à tes questions.